Laurent Correa en deuil, des proches réunis aux obsèques de son père. Dimanche 4 août dernier, le père de Laurent Correa, Carlos, décédait subitement, alors que l'influenceur se trouvait avec sa compagne, Jazz, en vacances. Ce mardi 13 août 2024, les proches du couple ont partagé sur Instagram des clichés alors qu'ils se rendaient aux obsèques. Jazz et Laurent Correa sont en deuil. Dimanche 4 août 2024, BFM TV révélait qu'un homme avait été retrouvé pendu dans une villa de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes. Il s'agissait du père de l'influenceur, Carlos Correa. Le couple a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait en vacances en France. Le drame a été confirmé par Laurent Correa, qui s'est exprimé quelques jours après les faits. Comme vous avez pu l'apprendre, un drame personnel effroyable m'est arrivé. Ce dimanche 4 août 2024, Carlos Fernandez Correa, mon père, est décédé. Ce drame relève de ma vie privée et je souhaiterais que sa mémoire et sa dignité soient respectées, avait-il expliqué sur son compte Instagram, avant qu'il ne désactive son compte Instagram. Les proches du couple réunis. Mais ce mardi 13 août 2024, les proches du couple ont partagé des clichés sur Instagram qui laissent penser qu'ils se rendaient aux obsèques de Carlos Correa. Le meilleur ami de Laurent, le chanteur Sissika, a partagé trois clichés en story éphémère. Sur le premier, il se montre en selfie, tout habillé de noir, l'émoticône d'une colombe qui porte des rameaux en simple description. Sur la seconde, les amis de Jazz, Mason et Noémie, apparaissent vêtus de noir également, la dernière porte même une voilette toute noire pour rendre honneur au père de son ami. Sur le troisième cliché, l'artiste a partagé l'endroit où semble être enterré le père de son meilleur ami, au beau milieu de la campagne du sud de la France.